Le lundi, c'est français avec professeur Sarah. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons faire du vocabulaire en découvrant ce qu'est une famille de mots. Pour commencer, une famille de mots est un ensemble de mots formés à partir d'un même mot d'origine. Ce mot d'origine ne change pas. On l'appelle le radical. Nous allons faire un exemple ensemble. Prenons comme radical le mot « dent », D-E-N-T, qui signifie les dents que tu as dans ta bouche. Essayons de trouver des mots de la même famille que « dents ». Donc, si on récapitule bien, dans chaque mot de la famille de « dents » doit se trouver le mot « dent », puisqu'il s'agit du radical, il ne change jamais. Il y a par exemple le mot « dentaire ». On souligne donc en rouge le radical « dent ». Dentiste aussi est un mot de la même famille que « dent ». L'on trouve bien dans « dent », dans « dentiste ». C'est un métier qui consiste à soigner les dents. Tu connais aussi, sans aucun doute, le mot « dentifrice ». C'est la pâte à dents que tu utilises chaque jour pour te laver les dents. Ici aussi, l'on trouve bien le radical « dent ». Il y a aussi le mot « dentier ». Qui est un objet fabriqué à partir de fausses dents. Et pour finir, le mot dentition, qui est l'ensemble de tes dents. L'on a donc vérifié, en soulignant en rouge le mot dent dans chaque mot de la famille de dents, qu'il s'agit bien des mots de la même famille. L'on remarque aussi que l'on a ajouté des éléments au mot dent, des éléments bien sûr différents, puisque ce sont des mots différents, pour faire des mots de la même famille, que j'ai ici souligné en vert. Pour dentition, c'est ition. Pour dentaire, c'est air. Pour dentiste, ist. Pour dentifrice, c'est ifris. Et pour dentier, c'est yé. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aussi aidé. Si tu veux t'entraîner sur une famille de mots, tu peux demander à tes parents d'imprimer le document d'exercice qui se trouve en dessous de la vidéo. Au revoir et à bientôt pour une prochaine leçon. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et si besoin, à poser tes questions en commentaire.